Salut Thomas. Salut, ça va? Salut, ça va, super. Hyper content que tu sois là. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Et puis Thomas, ce qui me tue, c'est que tous les deux, vous travaillez sans filet. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire maintenant. Ils viennent ici dans cette émission avec des artistes qui se sont entraînés pendant des années à perfectionner le même numéro. Et tous les deux, ils vont faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils ne referont plus jamais de la même manière. Et ça, c'est une folie. Donc merci d'être là. Merci de votre présence. Merci. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que tu vas faire ? Alors, on va faire en plus quelque chose qu'on n'a jamais fait parce qu'on va prendre trois artistes. Donc on a décidé évidemment que Eric n'allait pas choisir, mais que les membres du jury, vous alliez choisir trois artistes. Ils vont s'afficher, il y a des noms qui vont s'afficher, vous allez pouvoir choisir l'artiste que vous voulez. Et puis d'habitude on prend un thème, et cette fois-ci on va prendre trois thèmes. Et on va essayer de parler de ça, échanger les paroles en 10 secondes, et on va voir ce que ça peut donner. Choisissons. Allez, alors je vous laisse choisir du coup un chanteur chacun. Tu commences Hélène ? Allez, moi je commence par Daft Punk, comme ça on va mettre de l'ambiance. Daft Punk. Ok. Vas-y. Bob Marley, Daft Punk. Dalida. Et Dalida. Oh yes, okay. Excellent. Daft Punk, Dalida, Bob Marley. Maintenant, je vais vous demander trois thèmes. Ça peut être une anecdote, ça peut être un truc complètement délirant, ça peut être ce que vous voulez. Les exoplanètes. What? Les exoplanètes. C'est les planètes, tu sais ce que c'est ? C'est les planètes qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire les planètes qui pourraient ressembler à la Terre dans d'autres... Ok, les exoplanètes. Bonne chance. Je ne trouve jamais de maillot à ma taille. Je ne trouve jamais de maillot à ma taille. Et Hélène ? Je chiale facilement. Eh ben, bon courage. Okay, merci. Je chiale facilement, je ne trouve pas de maillot à ma taille. Les exoplanètes, on a dit Bob Marley, Daft Punk. Et Dalida. Et Dalida, ok. On va juste vous demander un petit décompte de 10 secondes. Tu nous fais un décompte de 10 secondes avec le public. Vous êtes prêts les amis pour le décompte ? Ok, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh là 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 là. J'ai hâte de voir, oh, c'est j'ai génial, hâte de voir. Je crois qu'il y a soudain un problème. Dans la loge, on entend Hélène. Elle doit avoir un souci. On entend des petits cris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui t'a fait pleurer? Hélène, viens. Tu peux pas comme ça rester, faut quelqu'un pour la rassurer. Tu peux pas comme ça rester, arrête Hélène de pleurer. Non, tu peux pas comme ça rester, quelqu'un pour la rassurer. Tu peux pas comme ça rester, arrête Hélène, arrête de pleurer. Yeah! Wow! La vache. Oh! On a Marianne qui arrive dans sa loge, tu vois, parce que elle se dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit ma petite cigara, on ne pleure pas comme ça. J'ai aussi mes soucis. Y en a pas un seul qui m'aille, pas un maillot à ma taille. Viens dans mes bras, ma chérie. Sois pas comme ça là toute la nuit. On ne pleure pas, non, ne pleure pas. Tiens, Hélène, viens là dans mes bras. Ne pleure pas, ne pleure pas comme ça. On a tous, moi j'ai mes soucis à moi. Ne pleure pas, ne pleure pas comme ça. Allez Sugar Sammy, viens avec moi. Heureusement que Sugar Sammy est là pour la rassurer, tu vois, parce que lui fait moi j'ai pour lui changé les idées des petites choses toutes bêtes. Je lui parle des exoplanètes. C'est pas très compliqué, ça permet de la rassurer. Ça permet de la faire arrêter de pleurer. Allez, viens dans mes bras, non, ne pleure pas comme ça. Chante, chante. Ne pleure pas comme ça. Non, ne pleure pas comme ça.
comme ça. Il a fait très chaud. Mec, mais... Moi, j'ai adoré. C'est super intelligent. C'est tellement bien fait. Moi, dans mon spectacle, je fais de l'improvisation. Déjà, il y a eu un niveau de difficulté, mais d'ajouter les thèmes là-dedans qu'on vous donne comme ça, de chanter l'air de la chanson, c'est tellement difficile à faire. Moi, j'adore ces genres de numéros. Alors, bravo, bravo d'être là ce soir. Merci. Bravo. J'avoue que j'ai été charmée par ton énergie, par ton talent d'improvisation et tout. Il y a vraiment un esprit vif et malin et je vais défendre mon équipe, évidemment. Mais tu ne vas plus pleurer. Mais je ne pleurerai plus grâce à toi. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. Bravo. Là où tu es un escroc, Thomas, c'est que tu avais trois thèmes, vraiment l'exocète, les planètes, vraiment les larmes et vraiment le maillot de bain. Et que le maillot de bain n'a été évoqué que juste parce que c'était dans le cahier des charges et l'exocète aussi. L'exoplanète. L'exoplanète, pardon. L'exocète, non, parce que le malheur d'Hélène a pris toute la place. Donc tu n'auras pas mon vote et puis c'est tout. Mais sois pas mauvaise joueuse. Mais quel talent. Si on m'avait dit un jour, c'est quoi le point commun entre Daft Punk, Dalila et Bob Marley? Maintenant, je sais que c'est toi, quoi. C'est ça qui est... C'est génial. Et puis, on est dans des univers musicaux qui sont complètement délirants. Quand j'ai entendu les thèmes... Et alors, ce que dit Marianne, le fait que t'aies pris un thème, t'as un thème maître et t'as intégré les autres dans le thème maître. Donc, pour moi, le contrat est facilité. Réussi. Facilité. À 1000% en facilité. 10 secondes. Qu'est-ce qu'il y a de facile là-dedans? Facilité. Il y a virtuosité, talent, génie, bonheur, kiff, orgasme festif. C'est un bonheur. Merci Thomas. Merci d'être. Merci de nous avoir choisis. Avec plaisir.